Ça va aussi. Là aussi, petite vol sur deux dans Cindy, ça c'est bien, c'est bien. Plie la gauche, plie la gauche. Sans que les hanches qui partent à l'extérieur. Tu gardes bien ton poids dans la fesse gauche. Tout de suite, déplacement latéral. Tout de suite, déplacement latéral. Encore. Encore. Là, je veux que tu sens ça. On sent que tu envoies. Tu viens là, dessus. Tu vas vraiment sentir qu'elle fait monstre étirement sur toute sa ligne dessus. Plus de plis à gauche. Qu'elle soit ronde en sur ta jambe gauche. Plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça. Là, là, ok. Vous remettez droit et vous faites qu'il va fuir sur l'épaule droite. On laisse pas, on travaille sur l'arrêt extérieur au moment où ça prend sur l'épaule droite. Et à ce moment-là, on met la jambe gauche pour faire le même geste qu'on voulait faire tout à l'heure dans la jambe gauche, mais avec l'autre postérieur, donc une sortie en gauche. C'est très bon. Vraiment du trait de stylo, c'est exactement ce qu'on fait avec la main. Ok. On va faire un petit peu un autre paddock, un petit peu dynamique. On va faire un peu des variations de rythme pour travailler aussi le physique. Donc sur les cavaliers, on reste dans un galop très calme. Dès qu'on repart en ligne, on prend un galop actif. Voilà. Alors on la garde. Les deux grises un tout petit peu plus courbées. Mais bien tes épaules Lara. Pas faire le dos rond. La plie à droite, voilà, plie à droite, plie à droite. Ne vous occupez pas trop des cavaliers. Gardez le cheval rond à droite. Voilà, laisse ça tomber, la ramasse. Voilà, Lara, c'est bien. Et après, le cavalier se tournera tout droit en lèvant ton galop. Tu pourras venir là sur le cercle, Cindy. Encore un tour avec ta travailler son mental, nous dire ok, je peux aller en avant dynamique, revenir dans la concentration, revenir dans un équilibre différent. Ça c'est difficile. Écarte tes épaules, retrouve le galop stable que tu avais avant, pas que parce que tu l'as un petit peu allongé, l'équilibre s'est légèrement dégradé et qu'on n'a plus le même cheval. Ralentis-la. Voilà, tu la mets, quand elle est un peu forte, tu restes derrière, même sur ton cavaletti, comme si tu n'avais pas sauté. Sans faire un à-coup avec ton corps, mais tu restes en opposition. Très bien. Un peu plus de galop, Cindy. Ouais, c'est bien les filles. Ils sont bien là, vous. Très bien. Ok, on. Allez, ok, encore un. Et puis après, on reprend du droit et on remet de la canne. Et on rallonge. Et ok, les deux autres, on peut venir de nouveau sur une cavaletti. Cherche à donner la précision dans le choix de queue. Dès le début. Ouais. Là, clairement, tu les as obtenus sur la fin. Oui. Ou tout un coup sur la fin, tu t'es mis sur le frein. Ouais. Et en faisant ça, alors, ça fait un bon exercice de gymnastique, mais si on a ici un gros auxerre, on n'a plus à pousser. Oui. Tout en plus, c'est bien, ça plie la gauche et continue ton boulot. Très bien. Tu ne mets pas d'importance à ton cirque en continuant à travailler. Ça, c'était top. Tu me répartis ces foulées. Thank you.
cherche à... Dès que tu sens qu'elle piétine un petit peu la foulée, comme ça, quand elle est un petit peu nerveuse, avance ton bassin et desserre un tout petit peu les genoux. Pas que tes genoux la serrent trop au niveau de ses épaules. Ouais, c'est très bien. Et régulier, le galop ne doit pas changer. Ok, refais ta ligne, Lara. Reste ton galop et refais. Il a fait un espèce de truc bizarre, mais allez. Ça a été dans l'autre, je ne me rappelle pas. Il a fait trois poulets. Ça a marché un petit peu. Voilà. Je ne sais pas comment je voulais qu'il aille dans la vie. Ok. Regarde. Super, ça c'est beaucoup mieux. Là, t'étais vraiment droite dans ton corps. Ça marche, merci beaucoup. Fais juste ça. Bam, joli galop pour faire tes trois clés. Oui, on essaye de faire comme ça. Voilà, bien dans le contrôle. Garde la droite, garde la droite pour juste le pied droit. Encore plus court, encore plus court, encore plus court, encore plus court. Voilà. Là, vous montez vraiment comme si vous ne vouliez pas aller de l'autre côté de la saucisse. Bien sur tes doigts, garde le talon bas. Ça va essayer déjà de prévoir en décalant un tout petit peu sur la gauche. Ah, ou la droite, très bien, non, ça va. Là, elle est un peu coquine, hein. Elle est un peu coquine. Ah. Regarde loin. Super, regarde loin. Là, vous reprenez le cavalier. Hein. Donne le galop normal. Là, vous avez changé un petit peu de rythme. Hein, oui, pour faire la... Parfait, l'entrée. Reste cool. Reste cool. Voilà, et puis là, un petit coup de retour. Hein. Super, très bien, Lara. Là, je vais juste corriger la faute. Hein. Plus sauter droit, mais tu n'en fais pas plus. Ok. Caresse, mais j'aimerais quand même que tu fasses justement. Voilà. Prépare, t'écartes très gentiment ta main droite. Remets un petit peu de jambe. Ok, caresse et refais encore une fois. Et moi j'arrive. Dans l'équilibre. Ouais, c'est ça. C'est plus facile que mon réo. Tu fais pareil, hein. Bien en ligne. Bien en ligne. Ouais, parfait. Très bien. Tu vois, c'est uniquement ça. Ouais.